crois qu'elle va bien? Je suis sûre qu'elle va arriver. Désolée pour le retard. Qu'est-ce qu'il y a si important? D'accord. Je veux que vous me donniez votre avis, mais il faut que vous soyez honnête. Et je veux pas entendre que ça me fait un look d'enfer, même si vous pensez que ça me ferait plaisir, parce que c'est pas le cas. On est là pour te donner des conseils vestimentaires? Non, pas tout à fait. Ta-da! Ouais, ça te va bien? Tu es très belle avec. Qu'est-ce que t'en dis, Ricky? Elles sont jolies, elles te vont bien. C'est trop bizarre, tout est beaucoup plus net maintenant. Vous avez vu ça? Quoi? C'est comme si elle était magnétique. Elle n'avait pas cette propriété avant. Elle s'est modifiée? C'est impossible. Et pourtant, ce qui est sûr, c'est qu'elle est aimantée. Waouh! C'est hallucinant! Attendez, toute la grotte est faite de ce type de roche. Elle est aimantée, alors? On s'en fiche. Tu rigoles? C'est super important. Ça pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe dans la grotte. Il y a peut-être certaines choses qu'on ne peut pas expliquer. Je vois pas comment on peut venir à bout du tentacule si on connaît pas son mode de fonctionnement. Il faut que j'y aille. On se voit plus tard. Bonsoir. Elle est belle, cette pierre. Wow, dis donc, elle est sacrément magnétique. Ouais, j'ai un exposé à faire. Une étude sur les roches? Oui, c'est barbant. Et qu'est-ce que tu veux? Rien, je suis venue te dire qu'on dîne dans 15 minutes. Cool. Et pas de retard, on a du monde ce soir. Quelqu'un que je connais? Pas encore. Pourquoi on utilise les belles fourchettes? On a un invité pour le dîner. Ryan est un de mes collègues de travail. Je veux qu'il se sente à l'aise. Je suis sûre que tu feras ton possible pour bien te tenir. Si tu crois que je vais rester tranquillement assise à écouter de vieilles histoires scientifiques, alors tu te trompes. Par ici. Bonsoir, Ryan. Bienvenue chez nous. Je vous remercie de m'avoir invité. Oh, c'est un plaisir. Entrez. Salut, tu dois être Kim. Et toi, tu dois être Cléo. Je peux te proposer autre chose? Oh non, merci. Tu es sûr? Pas de gâteau apéritif? Non, c'est très bien comme ça, merci. D'accord, mais s'il y a quelque chose que je peux faire, n'hésite pas, je suis là. C'est gentil. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avant d'être gardien au parc national, Ryan? Bien. Oh, j'ai passé une grande partie de l'année dernière à l'intérieur des terres pour étudier la mécanique des roches. Oh, c'est drôle, Cléo a justement un exposé à faire sur l'étude des roches. D'ailleurs, vous trouveriez la roche qu'elle étudie très intéressante. Vraiment? C'est plutôt ennuyeux. Est-ce que je peux la voir? C'est donc ça, ce fameux morceau de roche? Oui. Je peux? Très intéressant. C'est une roche volcanique. Tu sais d'où elle vient exactement? Non, aucune idée. Tu sais, on nous les a distribués sans rien nous dire. D'après Sam, elle a des propriétés magnétiques. Tu vas voir. Oh, oh wow. La force d'attraction est vraiment importante. Oh. Alors, tu sais pourquoi elle est aimantée? C'est difficile à dire sans l'avoir analysé. Tu ne peux même pas me donner un avis éclairé? Je ne voudrais surtout pas t'induire en erreur. Ne t'inquiète pas, je suis une grande fille, je m'en remettrai. D'accord. Alors, Ryan, ça te dirait de faire autre chose d'un peu plus drôle? Tu dois en avoir marre qu'on te parle de cailloux toute la journée. Non, pas du tout. J'adore les étudier. Et je dois dire que celui-ci est assez unique. J'aimerais pouvoir t'aider pour ton projet si tu le veux, bien sûr. Tiens, une revenante. Salut, tu te fais rare en ce moment? J'étais occupée. Occupée à quoi? T'es jamais au café et t'es jamais chez toi. T'étais cachée où?
Eh bien, si tu veux tout savoir, à la grotte de Mako. Quoi, toute la journée? Oui, toute la journée. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette grotte, tout à coup? Je ne pourrais pas comprendre. Qu'est-ce que t'en sais? D'accord. C'est comme si, depuis la dernière pleine lune, j'étais vraiment connectée avec la grotte. Je sais pas, mais j'ai le sentiment que je suis une partie d'elle. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je veux dire, tu te transformes définitivement en poisson? Ça, c'est pas une blague. Ah bon? Je croyais pourtant, parce que là, ça me dépasse. En fait, pendant une seconde, j'ai cru que tu t'inquiétais. Mais comment je peux être aussi naïve? Ricky! Oublie ce que je t'ai dit. Écoute, je te comprends pas en ce moment. Tu as changé. Je pourrais pas dire en quoi exactement, mais... ce qui est sûr, c'est que tu as changé. Tu as parlé à un inconnu de la grotte de Mako? Mais non, je lui ai juste montré un morceau de roche. Il avait vraiment l'air de savoir de quoi il parlait et il m'a proposé d'utiliser un de ses appareils. Oh, tu l'as impliqué dans toute cette histoire? Non, c'est pas ce que j'ai fait, Rip. Si, c'est exactement ce que tu as fait. Écoute, on veut seulement découvrir pourquoi l'eau nous attaque. Oh, je suppose que tu lui as parlé de ça aussi. Mais non, bien sûr que non. Et pendant que tu y vas te baigner avec lui, tu lui montreras comme tu es belle en poisson. Ricky! Oh, ça va, Ricky. Comment je dois te le dire? J'ai fait attention. Désolée, j'en ai pas l'impression. Le tentacule est alimenté par une énergie qui provient de la roche. On veut juste savoir comment ça fonctionne pour le détruire. Mais c'est pas parce que vous n'arrivez pas à vous mettre à son niveau que vous devez le détruire. T'inquiète, c'était pas contre toi. Oh, je sais, il lui arrive parfois d'être un peu... agressive? Oui, mais jusqu'à présent, j'en avais jamais fait les frais. C'est dur à avaler, je suis sûre qu'elle ne le pensait pas. Dans ce cas, elle joue bien la comédie. Il y a quelque chose qui doit l'énerver, mais c'est pas toi. C'est comme si elle ne voulait pas qu'on découvre ce qui se passe réellement. Qui t'es éloigné d'elle. Il y a sûrement une autre raison. Je veux avoir des réponses et Ricky ne pourra rien faire pour m'en empêcher. Je vais voir qui c'est. Salut Ryan, j'ai rêvé de roche la nuit dernière, c'est fou non? Vraiment? Oui, et aujourd'hui j'en ai trouvé une super belle. En fait, je n'avais jamais réalisé à quel point c'est sensationnel. Cette pierre est vraiment très belle. Salut, j'espère que je ne te dérange pas. Oh non, pas du tout, Bella, Ryan. Salut. Je vais vous laisser. Non, j'ai rendez-vous avec Will. On se voit plus tard. À bientôt, Ryan. À bientôt. Il est trop beau. C'est vrai. Écoute, j'ai pensé que tu pourrais utiliser cet instrument pour ton étude. Oh. C'est un magnétomètre. Ça sert à mesurer l'intensité d'un champ magnétique. Merci. Je vais te montrer son fonctionnement. Tiens, je te laisse mesurer le magnétisme de ma pierre. Kim, c'est sérieux ce qu'on fait. Bon, en fait, la roche génère un courant qui passe par ses capteurs. Si tu modifies les paramètres inscrits ici. Je pensais bien te trouver ici. Tu ne peux pas frapper? Tu sais, il n'y a pas de porte. Tu ne devrais pas venir ici à l'improviste. D'accord, excuse-moi. Écoute, je suis venu pour te parler. Au sujet de Pléo? Entre autres. Quoi d'autre? De ce qui s'est passé à la pleine lune. De quelle manière tu as contrôlé le tentacule d'eau? Tu m'as promis que tu ne dirais rien aux filles. Oui, et je n'ai rien dit. Et j'en ai pas l'intention. Mais toi, tu devrais le leur dire. Je ne peux pas. Pas tant que...
que je n'aurais pas découvert ce qui se passe ici. Mais c'est ce que Cléo essaye de faire aussi. Pourquoi vous ne cherchez pas ensemble? On est inquiets pour toi. Tu passes le plus clair de ton temps seul ici. J'aime bien être ici. Je m'y sens bien. Tu te sens mieux ici plutôt qu'avec Cléo et Bella. Moi, tout ce que je vois, c'est que vous voulez la même chose. Bien. Ricky. C'est bon, pas la peine d'en faire tout un plat. Excuse-moi pour ce qui s'est passé, je voulais pas. Ça va, t'en fais pas. Je me sentais super mal. C'est bon, je te dis. On l'a fait, cette expérience? Tu t'expliqueras après. Vous êtes prête? Comme on l'a jamais été. Bon, bah vas-y. Alors ça... Attendez, c'est complètement hors norme. C'est impossible. Pas d'après l'appareil. Et j'ai bien lu la notice. Qu'est-ce que tu fais? Il doit bien y avoir une explication. Peut-être pas. C'est comme ça, c'est tout. Non. On doit découvrir ce qui entraîne ce phénomène. C'est absolument déterminant. Allô? Oh, salut Ryan. Oui, c'est Cléo. Oui. Puisque je te le dis. Oh, très bien, essaie sur son portable, mais je te préviens, elle est trop nulle. Selon toute vraisemblance, ça devrait être une scorie ou du basalte, mais c'est pas le cas, c'est... Mieux de garder le mystère. C'est ce mystère qui gâche nos vies, je te signale. Et on n'arrête pas de se disputer. Allô? Salut Cléo, c'est Ryan. Salut Ryan. Je voulais juste t'appeler pour te dire que j'ai été content de te rencontrer, hein, ainsi que ta famille l'autre soir. Et je me demandais si tu voulais qu'on se revoie. Qu'on se revoie? Oui, on pourrait parler de ton étude sur les roches. Tu pourrais me la faire lire, je te dirai ce que j'en pense. Attends une seconde. Il veut m'aider à analyser les résultats de nos tests. Dis-lui non. Du calme. Je lui ai fait croire que je dois faire un exposé. Tu joues avec le feu. On a fait toutes les recherches possibles et imaginables sans rien trouver. Ryan est un expert. Il peut nous aider. C'est quoi ton problème? Rien du tout. Tu sais, j'ai su garder ce secret jusqu'à maintenant. Et je suis capable de prendre mes propres décisions, d'accord? Ryan, t'es toujours là? Désolée de t'avoir fait attendre. Si tu veux, on se voit demain matin. Ouais, d'accord. Demain, c'est parfait. D'accord, à demain alors. C'est incroyable! Ouais, c'est cool de bosser ici. Le centre de recherche se trouve dans un autre bâtiment, mais de là-bas, j'ai toujours cette vue incroyable. Je reconnais que c'est cool. Écoute, j'ai utilisé ton magnéto machin, là, sur un échantillon de pierre. Et? Et voilà ce que ça donne. Non, c'est pas possible. T'as dû te tromper quelque part. On devrait refaire le test. C'est facile de faire une erreur. Non, j'ai vraiment suivi toutes les instructions. Est-ce que tu as fait une analyse comparative? Oui, j'en ai fait une. Tiens, voilà les résultats. C'est impossible. Oui, c'est bien ce que je me disais. J'ai vérifié les résultats et il n'existe pas ce genre de roche sur Terre. Oui, tu as raison, il n'y a rien de tel sur Terre. La seule roche qui a ce degré de magnétisme vient de... D'où ça? De la Lune.
Vraiment, merci pour ton aide. J'apprécie ce que t'as fait pour moi. Ça m'a fait plaisir. Et si ça te rassure, je serai content de refaire tous les tests. Je ne crois pas que ce soit possible. Tu sais, j'ai été obligée de rendre l'échantillon de roche à mon professeur. C'est dommage. Tu ferais une belle carrière avec cette découverte. Je ne crois pas être prête pour ça, Ryan. Au moins, ça t'ouvrirait les portes d'une grande université. Tu crois que je pourrais le faire? Bien sûr. Je crois que tu es capable de réaliser tous tes rêves. C'est gentil. Et si tu as besoin d'aide sur un autre projet, tu sais où me trouver. Merci encore. Et je pourrais te faire une visite guidée un de ces jours. Oui, d'accord. Génial. Mais là, je dois vraiment rentrer, donc... Salut. C'est bien de trouver ici. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Mako est une île entièrement constituée de roches lunaires. Ça explique tous les événements. L'effet de la pleine lune sur nous, ses effets sur le tentacule, sans compter son rôle dans notre transformation en sirène. Moi vite, s'il te plaît. Tout ce qui vient de l'île répond au cycle lunaire, parce que c'est un morceau de la lune. Et je suppose que c'est Ryan qui t'a dit tout ça. D'une certaine façon, oui. Je te dis que tu joues avec le feu en le mêlant à tout ça. En tous les cas, si je ne lui en avais pas parlé, on ne saurait même pas que Mako est un morceau de lune. Écoute, on est à deux doigts de découvrir quels sont les pouvoirs du tentacule. Si tu veux sortir avec ce garçon, alors sors avec lui. Mais n'utilise pas Mako comme prétexte. Et ne nous fais pas courir de risques pour arriver à tes fins. Ricky, de quel droit tu te permets de me dire ça? Que tu le crois ou non, je veux juste protéger Mako. La protéger de moi? Je ne sais pas ce qui t'arrive. Et pour tout te dire, je ne te reconnais plus. Ne te formalise pas, elle est juste bizarre en ce moment, c'est tout. Elle est plus inquiète pour l'île de Mako qu'elle ne l'est pour nous. Non, pas seulement. Elle nous cache quelque chose. Je suis vraiment inquiète pour elle. D'accord, les filles. Il faut que je vous dise quelque chose. Vous n'allez pas apprécier. Depuis la pleine lune, Ricky et moi, on n'a pas été honnêtes avec vous. Will, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous sur Mako? Je n'ai pas sauvé Ricky du tentacule. C'est elle qui m'a sauvé. Quoi? Et comment? C'est comme si elle était en lien avec l'énergie qui provenait de l'eau. C'est comme si elle pouvait la contrôler. Comme si l'énergie l'écoutait. Qu'elle lui obéissait.